Ah non, non. Salut tout le monde, c'est Hugo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu spéciale qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Un nouveau concept que j'ai envie de tester, c'est des datapacks sur Minecraft ou autre expérience un petit peu spéciale. Et aujourd'hui on se retrouve pour tester un datapack très marrant. Alors comme vous le voyez en haut de mon écran, il y a une petite barre de temps qui me dit que mon game mode va changer, donc là dans 30 secondes. Et je vais donc me retrouver en créatif pour 3 secondes. Et donc c'est ça le principe de ce datapack, c'est que toutes les minutes pendant 3 secondes j'aurai accès à l'inventaire créatif pour prendre ce que je veux. Donc il va falloir que je sois plutôt rapide et que je sache exactement ce que je veux. Donc aujourd'hui objectif, j'aimerais bien aller dans le nether, donc on va essayer de prendre ce qu'il nous faut. Là il faut que je me prépare parce que je vais bientôt être en créatif. Voilà, donc là déjà je vais prendre peut-être ça et... trop tard. Bon, j'ai une pioche en diamant, c'est déjà un bon début. J'aurais bien aimé pouvoir prendre un petit peu de nourriture, ça m'aurait arrangé. Je pense que c'est ce que je vais prendre dans la prochaine minute, là. Allez, on se tient prêt. Vite, de la nourriture, voilà. Et, bon, voilà, on a déjà ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vous propose du coup qu'on s'oriente vers les grottes, qu'on essaye d'aller chercher un petit peu de matériaux de base. Moi je me dis qu'en vrai avec ce datapack on pourrait peut-être même tenter d'aller dans l'end. Ça pourrait être marrant, essayer de taper l'ender dragon comme ça. Je pense qu'au prochain créatif je vais essayer de me choper une armure en diamant. Ça pourrait être pas mal. Allez, créatif bientôt. Les armures. Ah putain, bon. Ça va, bon, on avance bien dans ce mode de jeu. J'ai quand même réussi à choper pas mal de diamants. Bon, en soi là l'objectif c'est vraiment juste de faire un petit peu de quoi aller dans le nether. Donc je vais ramasser un petit peu de fer, le faire cuire et puis me faire un petit portail assez vite, ça devrait pas être trop compliqué. Allez, créatif arrive. J'ai aucune idée d'où sont les... Ah putain. Je vais regarder pour trouver les Ender Eye mais j'ai aucune idée d'où ils sont. Donc tant pis, ce sera pour une autre fois. En tout cas j'espère que ça vous plaira un petit peu que je fasse des trucs différents de mes séries habituelles. Parce que bon, voir toujours la même chose c'est pas non plus mieux. Et puis si jamais vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner hein. Allez, on va essayer de les choper ces Ender Eye là. Ils sont là. Nice. Bon, parfait, j'ai réussi à choper des Eye Ender. Donc ouais, je pense objectif, je vais essayer d'aller dans l'End et dans le Nether. Donc déjà aller dans le Nether histoire de valider le premier objectif. Et puis après je vais tenter d'aller dans l'End pour taper le dragon. Bon, je me retrouve à taper à la pioche en diamant, c'est... drôle de vie. D'ailleurs je vais prendre une épée là au prochain truc, je pense. Une épée, peut-être même un arc d'ailleurs si j'ai le temps, ça risque d'être compliqué, mais déjà l'épée. Allez. Bon, ce qui est bien c'est que ça switch automatiquement l'inventaire, donc on peut directement se mettre dedans. J'ai pas pris du tout la bonne épée, j'ai bégayé, bon. Yes. Bon, on a quand même une épée en fer, c'est déjà ça. Faudrait que je prenne le reste de mon armure aussi. J'aurais bien mis une épée en diamant. Je pense que le prochain truc, je vais essayer de prendre des flèches. Mais en attendant, je vais essayer de faire mon portail. Au final, je vais peut-être rester stuff comme ça, ça suffira peut-être même. Simplement faire des items en fer pour compléter ça, et puis bon, ça devrait pas être trop compliqué d'aller dans le nether. Allez, on y est presque, je vais essayer de choper des flèches. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à en avoir. Voilà, j'ai pris 2 stocks de flèches, bon, on sera bien comme ça. Et maintenant, je vous propose qu'on essaye d'aller se trouver un petit lac de lave pour aller dans le nether. Je vais terminer de me faire du stuff aussi un peu. Ah, ici, on a du gravier. Il faut pouvoir se faire un briquet pour le portail, ça va être bien. Bon, on va passer en créatif, mais j'ai aucune idée de quoi prendre. Bon, allez, je vais prendre le reste du stuff en diamant. Ah, bah non, j'ai pas eu le bot. Tant pis. Ok, c'est bon, j'ai du silex. Maintenant, il nous faut vraiment juste encore de quoi faire le portail. Donc un petit lac de lave, et ce sera bon. Je pense que niveau stuff, je vais rester comme ça, histoire de pas être trop cheaté. Je vais juste prendre, je pense, des pommes en or après. Genre maintenant. Comme ça, je suis plutôt bien, voilà. Ah putain. Je m'étais dit que je pourrais essayer de choper l'obsidienne comme ça en vrai, mais du coup, j'ai pas eu le temps. Mais je pense que c'est ce que je vais faire au prochain si j'ai toujours pas trouvé de lock. Allez. On va quand même essayer de la choper comme ça l'obsidienne, ça sera plus rapide. Yes. Non, putain. Ah. Franchement, une minute c'est vraiment chaud au niveau temps. Ah, on a du diamant, tu vois. Bon, en vrai, voilà. J'ai pas vraiment besoin. Bon, pour aller plus vite, je vais essayer de le mouler. Je pense que le portail, ça sera un peu moins compliqué.
Ah, on va nous retrouver en créatif. Je vais réessayer de choper de l'obsidienne. Cette fois-ci, je serai peut-être assez rapide. Elle est là. Allez, c'est... Non. Je suis vraiment beaucoup trop lent, les amis. Aïe, aïe. Quelle galère. Et voilà, on a notre portail du Nether. Du coup, premier objectif, bientôt rempli. Faut juste qu'on le passe. Et voilà, premier objectif rempli. Ah, je me suis pris de retard. Bon, bah tant pis. Pas de créatif cette fois-ci. Bon, on va faire un petit tour pour regarder, mais bon. Comme dit, objectif, c'était juste d'y aller. Maintenant, le reste, on s'en fiche un peu. On va retourner dans le monde normal et du coup, bah, on va essayer de trouver le portail de l'End ou peut-être même de le faire nous-mêmes si on arrive à avoir le temps de récupérer les End Portal Frames, ça pourrait être marrant. Et comme dit, j'aimerais essayer de choper les End Portal Frames dans le créatif, comme ça on construirait le portail plutôt que s'embêter à le chercher. On va voir si j'arrive à les choper directement, si je suis le boss, mais je pense pas, non, ils sont pas là. Ok, tant pis. Et j'ai comme l'impression qu'il fait nuit dehors. Ouais, totalement. Pas terrible ça. On va essayer d'aller chasser les petits moutons qu'on a là. Pour essayer de se faire un lit, ça pourrait être bien. Bon, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve ce datapack plutôt marrant. Bon, bien sûr, c'est complètement cheaté, hein, mais c'est vrai que c'est quand même assez cool le fait qu'on ait que 3 secondes. Ça reste assez équilibré du coup. Allez. Allez, c'est qui le boss? C'est moi. Toi, me tue pas, s'il te plaît. Non, non, non. Ouh. J'ai failli prendre un coup de gros coup de karma là. Bon, on va essayer d'aller tuer cet Ender Dragon. Hein. Juste me faire un petit lit histoire de pouvoir passer la nuit. Voilà. Bon, on va le faire ici, le petit portail. Ok. Normalement, c'est bon. Là, je vais passer en créatif. J'ai aucune idée de ce qu'il peut me falloir. Ouais. Voilà, une hache en diamant. Pourquoi pas. Ah non, non. Ok, bon, on va mettre notre Eye of Ender, et normalement... Et voilà, on a notre portail, on va tout de suite sauter dedans. Et on est sous sol. Bon. Bon alors, j'y suis allé vite, par contre j'ai pas un super stuff, je risque un peu de me faire exploser. Hein. Je vous avoue que je suis qu'à moitié serein. Pas mal. Ouais, bah j'ai nouveau oublié ce que je voulais. On va monter, casser ce truc. C'est très risqué ce que je suis en train de faire. Ok. On va descendre tranquillement. Et on va aller s'occuper des autres cristaux. J'ai mon gamin qui va changer, j'aimerais bien essayer de monter, casser ce truc. Ouh là là, c'est pas une bonne idée. Aïe. Ok, c'était pas une très très bonne idée, mais c'est passé. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Il en reste plus qu'un, je crois. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. Et je vais monter. Ça n'a pas marché du tout ce que je voulais faire, tant pis. Bon bah nice, on va essayer de le faire du coup. Hein. Maintenant, ça devrait plus être trop compliqué une fois qu'on l'a... Ouh, ouh. Je retire ce que j'ai dit, c'est très compliqué. Bon, il fait mal, mais comme on a quand même pas mal de trucs, on est plutôt bien. Ça devrait aller, je pense. Je vais me prendre une épée en diamant. Voilà. Ouh là là. Nous sommes partis. Oh, c'est pas si facile, ce petit dragon là. Il donne un peu du fil à retordre. Ok. J'ai récupéré une enclume, donc là l'objectif ça aurait été d'essayer de choper le prochain truc. De quoi m'enchanter un peu. Oui, pendant l'Ender Dragon, j'ai rien d'autre à faire que m'enchanter. Je sais, c'est un peu spécial. Allez, on se tient prêt. Je vais essayer de choper un petit livre sharpness. C'est bon, je l'ai eu. Parfait. Voilà, on a une petite épée sharpness 5, ça devrait lui faire mal. Allez, je pense que là on le finit. Ou alors il nous finit, c'est pas impossible non plus.
Allez, on y est presque. Et allez, c'est fait. Je vais juste essayer de m'enfuir parce que ils sont en train de vouloir ma mort. Voilà. Ouf. Bon bah voilà les amis, on a réussi le défi. On va tout de suite sauter dans le portail. Bah voilà. C'était pas si compliqué de finir Minecraft finalement. Enfin voilà les amis, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a réussi le défi d'aller dans le Nether et de battre l'Ender Dragon. J'espère que ça vous aura plu, personnellement ça m'a bien amusé cette petite vidéo. Donc voilà, de temps en temps il y aura des petites vidéos dans ce genre là, j'espère que ça vous plaît. En tout cas voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis à la prochaine, bisous.